ce magazine financier investi, oui, monsieur, que vous pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche matin, dans le week-end 4-5 février. C'est là, bien vérifié, nous, le cinquième mois exercice fiscal. Là. Nous sommes analysés. Premier trimestre là pour nous, ce n'est pas analyse, pas, nous allons faire l'ENBA gagné, mais la Banque centrale a déposé notre politique monétaire là, et dans des mots clairs, dans quelle situation de pauvreté, d'extrême pauvreté et de misère que nous retrouvons là. Pas de croissance économique, et la Banque centrale a porté chiffre là pour nous 51,1% que nous avons gagné, c'est peut-être septembre 1994, mais moi je ne fais pas de défaut, je suis capable de vérifier. Et c'est ça bien, septembre 1994, et en décembre 2022, on a 48% d'inflation dans l'économie. Il y a 20 000 personnes qui fait sont tombées là dans une situation catastrophique qui dépasse l'urgence humanitaire. Là. Nous avons près de 4,7 millions de personnes qui sont en situation d'urgence humanitaire. Donnez-vous là, faut garder et pour que les gens qui veulent diriger nous, ils prennent des décisions et sortent la population dans l'état précaire sacré là. Et dans ce là, c'est l'échec même des acteurs politiques de ce pays. Bah, tout tendance confondue pour nous tomber là jusqu'en bas là, côté que Mounio vraiment, il y a bonne image là, c'est échec poste du Valériste là, tout, pour nous dire, parce que nous pas gérer le pays. Là. Bon, bah, là, je m'a défendu, il dit bon non, mais c'est pour vous dire que tu fais trop pour mais ça pays ça, et pour qu'on y a pour nous, Mounio, c'est ça, il y a voté à pied. Là. Image ça n'a pas devant immigration, image ça n'a pas là. Gymnasium 25, que est obligé d'ouvrir parce que on y a déjà obligé de chercher de côté parce que l'espace n'est pas capable de prendre pression. Ça. Il prend le Pac Saint-Thérèse, il prend le Gymnasium 25, il va regarder les gens qui ont risqué la vie. Donc ça montre que la nation que je n'ai pas liée n'a pas créé, les gens pas sous pays d'Haïti. Et dit équipe ça, elle échoué, elle voulait quitter l'équipe. Là, c'est ça, ça voulait dire en quelque sorte. Semaine ça, il y a un bagage qui fait buzz parce qu'on est avec phénomène. De réseaux sociaux et particulièrement de Twitter. Franck Duval qui publiait une information de plus de 9 milliards de gouttes de recettes douanières qui entraînent dans le pays. Alors nous souris parce qu'on rappelle, depuis qu'on a parlé de la douane, toute bosse qui était gagnée pendant décembre, là, a fait de, un tableau que Profin nous a publié, Profin TV, nous a publié, bah, ça fait un paquet de parler, mon entrée, jouer, bah, les sons, parler, ceci. Donc voilà comment. Lorsque choc ça arrive, parlant pile ça au fait, mais c'est une bonne chose. Puisque nous pas même prendre 2 mois. Peut-être si nous avons 10 ans de ça, nous sommes capables de prendre 1 année ou bien 2 ans, 3 ans avant le résultat. Mais là, nous sommes en moins. Donc moi, tout ça que nous-mêmes nous avons encouragé, pas information, faire bagaille, capable de sortir, pour donner aux informations par été dans mon petit groupe de monde. Et ça, nous avons fait violer ça, nous pas négo cap. Côté que à travers micro ça, et je dis à travers chaîne de télévision ça, nous permettre que le grand public la comprenne et gagne information. Parce que lorsque vous parlez de recettes douanières, vous parlez de recettes fiscales, vous parlez de recettes non fiscales, ou pral capable qu'on est, ou pas besoin de retenir en fin d'année. Et nous demandons encore, notre politique monétaire là, qu'on y a le normal, et l'aider nous capable de prendre de meilleures décisions dans le pays. Qu'on y a notre politique fiscale là. Et on a accéléré parce que l'un des outils tableaux, pour qu'il y ait fait, ouais, pour que ça se bagaille, qui intéresse, il y a un paquet de bonnes paroles en pile, pour qu'on y a le vin normal. C'est ça qui est facile là. Tout d'abord, mon cap là, il a fait un paquet de bruit pour faire deuxième ville là. C'est ton bail qui est bien simple, dit mon commune du Cap, pas entrer le plus d'argent qu'on communique les Delma, il pas entrer plus d'argent qu'on communique les Pétionville. Donc, elle fait effort pour avancer là-dedans. C'est pas comme si nous besoin craser le monde, nous besoin craser commune, nous besoin craser entreprise. Non, c'est pour que nous gagnions plus d'argent et l'offre d'entrer l'argent n'est pas suffisant, non? Nous t'es sorti une note pour nous capables dans tout pour nous dire que bonne gouvernance, parce que le gouvernement est plus comme là, qui s'appelle le favel, qu'on y a fallu faire une réduction de compte. C'est bien que DGI, là, douane a dit qu'il y a plus comme. Mais est-ce que plus l'argent veut dire une meilleure gestion? Est-ce que ça veut dire une efficacité? Est-ce que une transparence? Ça veut dire open government, là, à savoir le gouvernement ouvert? Eh bien, c'est ça pour nous commencer à créer un pays. Et ça, quoi, ouais, en décembre, là, il fait un compte brio. Après, nous-mêmes, nous disons, OK, d'accord, on vient chita pour une bonne explication. Et voilà qu'on y a cette complète à la poste. Pas aucun problème. Mais 9 milliards de gouttes que il dit que la douane a été. Maintenant, nous. Le fin de l'information, ça. Il y a des gens qui réagissent sur les réseaux sociaux, qui critiquent, qui parlent. C'est comme si vous-même, quand vous êtes comme là, c'est comme si vous êtes ministre des Finances. Mais c'est l'occasion tout le temps de
Après, pour que le week-end, nous venions pour nous expliquer qui ça s'aille. Est-ce que son record? Oui, 9 milliards de gouttes, parce que on met des tableaux là, parce que nous rappelons que le ministère finance a publié une grande orientation budgétaire lui, et nous applaudissons à une fois émission sur lui. Donc, c'est pour nous capables de suivre les tout. À savoir, information que bah, au départ là, après chaque mois, nous avons regardé qui ça a passé. Nous avons regardé DGI, parce que ne pas oublier que le budget, c'est des prévisions. Comme il y a pourquoi non espace-là. Là où l'État prend 64 milliards de gouttes, l'État sort le 30 septembre, l'État pas contre un goutte. C'est le 1er octobre, il va commencer à compter comme là. Et chaque mois, il va rentrer. Par les 12e, chaque 12, et chaque mois, rentrer, qu'on a le bon 12 mois, parce que l'exercice fiscal a fait son période de 12 mois. Donc, Direction générale des impôts, ça, nous avons fait analyse là avec le ministre de l'économie et finance, émission 1er janvier. L'émission est disponible, elle garde tout. Parce que l'œuvre finit toute information qu'on n'y a pas en moi pour nous garder. Et moi, je dis, ce n'est pas simplement pour économistes, ni pour entrepreneurs, ni pour les gens qui ont une entreprise commerciale, ni pour nous-mêmes tout. Parce que lorsque l'État est privé entre l'argent, pas entre elle, et qu'on y a assez prêté, là, le prêté, c'est ça qui prend le bon inflation, c'est ça qui prend le bon taux de change. C'est ça, oui. Direction générale des impôts, 73,5 milliards de gouttes qu'elle supposait porter sous table là, le montant total qu'elle a cherché. Ça représente 45% de comme l'État veut entrer dans deux institutions. Pas c'est eux-mêmes qui ont le droit d'entrer comme pour l'État. Pas l'autre monde qui a entré comme pour l'État. C'est DGI avec la douane. TCA, taxe sur chiffre d'affaires, 16,3 milliards de gouttes. Impôt sur le revenu, 40,7 milliards de gouttes. Droit d'assise, 1,1 milliard de gouttes. Et autres, 15 milliards de gouttes. Donc, l'on additionne les derniers chiffres sales pour 73,5 milliards de gouttes de la part de DGI. Nous avons souhaité que DGI prenne lui-même tout. Et à partir du mois de février, a publié ces données-là. Et DGI, puisque je me dis des prévisions, pas de prévisions, Biden, non, là. Comme Biden n'a pas là, non. Ça, c'est DGI sans Biden, non. Donc, avec Biden, DGI, t'as supposé peut-être qu'il va briver l'ensemble. Donc, année, ça, t'as supposé un record de recettes, oui. Mais les COP, la fin d'entrée. Il y a parce qu'on touche plus COP, ça veut dire qu'on va gérer plus bien, non. On fait un petit retour, un flashback, là, Kiyosaki, non. Ce n'est pas qui quantité cob qui entre dans la poche qui est important, c'est comment gérer cob là. C'est comment on peut arriver à faire une bonne gestion, une gestion efficace de l'argent. Donc l'État d'arrêt doit entrer 400 milliards de gouttes, après si l'État mal géré, soit la corruption, la mauvaise dépense. Et c'est ça pour nous voir le tout lui-même. C'est encourager que l'État entre plus cob, mais que l'État bien gère cob là. Comme c'est la douane qui est censée faire l'actualité, moi ça, en garde l'administration générale des douanes, 90,4 milliards de gouttes. Droit d'assise, 9,1 milliards de gouttes. Taxe sur véhicule à moteur, 2,7 milliards de gouttes. Impôt, commerce extérieur et transactions internationales, 52,6 milliards de gouttes. Recettes non fiscales, 826 milliards de gouttes. Haute, 25,1 milliards de gouttes. Mais qui ça que l'un de tes publiés données, que nous avons essayé de joindre? Comment que Cobla entre? Maintenant, tu es une entreprise qui te paraît. Mais comme je dis, ça, c'est pas un micro. Ce n'est pas business. Pam. Est-ce que ça va payer plus, ça va payer moins? C'est parce que c'est aspect macro, c'est agrégat qui vient important. Maintenant, il y a des gens qui ont des affaires par eux, qui ont des entreprises comme Gentel. Eh bien, pas plus comme Gentel. Donc, ça, nous-mêmes, au niveau de l'intérêt commun, au niveau de l'intérêt public, et non des intérêts mesquins, parce qu'en Haïti, nous étions trois petits intérêts, on me faisait montrer ça un petit peu parce que. Nous pas bataille entre nous-mêmes dans le secteur privé. Concurrent secteur privé, c'est combien de copes dominicains entrés, c'est combien de copes jamaïques entrés. Jamaïque avec 3 millions de monde, il y a un budget 6 milliards de dollars américains. Budget pour la part 2 milliards de dollars américains. République dominicaine a ça atteint le niveau de 21 milliards de dollars américains. Donc l'émission, ça nous balance fait opération croisée, non? Nous avons fait benchmarking entre les pays. Comment pour nous. Ouais que si nous voulons améliorer les conditions de vie de la population, ou pas gagner l'autre bagaille pour faire, faut dépasser Jamaïque à 3 millions de monde. Et ou gagner plus de monde dans la République dominicaine. Donc, ou t'as supposé 20 milliards de dollars de budget jeune dominicain qui parle là. Ou même 2 milliards de dollars américains. Donc, voilà, et AGD, 90 milliards là. On est que fait au simple. Soit additionner ça plus. Ça n'est pas capable de brûler toute recette non fiscale, 200 millions de gouttes que l'entreprise publique a porté, qui n'est pas suffisante. Parce qu'il faut faire l'entreprise publique à porter. Tes bons amis qui t'ont posé des questions sur Twitter,
qui différence entre fiscal là et non fiscal là? Eh bien, fiscal là, c'est impôt, c'est taxe. C'est ça, DGI, la douane, eux-mêmes, ils imposent nous. Nous pas pour nous discuter. Ou c'est citoyen haïtien, ou à vivre dans le pays, ou bien pour payer taxe, ou bien pour payer impôt. Tandis que entreprise publique eux-mêmes, ils ont vocation commerciale. Parce que, comme ça, au pays là, DGI avec Kalon Antria, ils n'ont pas obligé de bon service direct pour lui, non? Il n'y a pas de service direct pour lui. Il faut obligé de payer. Tandis que l'entreprise commerciale là, ou obligé à l'acheter, c'est sa recette non fiscale là. C'est leur additionner tout ça qui boit les ressources domestiques. 64 milliards de goudes que le gouvernement estime bien. Fait 64 là, divisé par 12, là bon 13 milliards de goudes. Donc chaque mois, l'État a supposé entre 13 milliards de goudes. Et si on ne prend pas DGI, on ne prend pas la douane, non, 55% avec 45%, et bien on peut le voir que DGI peut-être qu'on a 5 à 6 milliards, la douane peut avoir 7 milliards de gouttes. Donc la douane, en moyenne par mois, il faut le porter 7 milliards. Donc le mois de janvier, il fait 9 milliards. Donc c'est une agrafe plus parce que prévision, c'est une dépasser niveau côté prend, eh bien, c'est bien intéressant encore. Ou capable d'avoir plus de services. Mais c'est deux bagages différents. Ou une partie gauche tableau, comme on montre nous, budget, voie et moyen, il y a ressources domestiques l'État, qui est estimé à 64 milliards de gouttes. Ensuite, il y a un don, qui est 40 milliards de gouttes. Et dernier parti, il y a plus de 60 milliards de gouttes. Pas négliger ça. Parce que lorsqu'on n'a pas entré à ces taxes, et que l'État voulait dépenser, et dont yo pas atteint niveau parce que sous fait et sans comment les chiffres là nous capable garder yo et que des supposé dans tête parce qu'on tellement joué avec pour rester dans tête tout donc sous prend 40 milliards que l'État prend joindre de dons et ou pral prend 120 milliards de cette compte là et bien qu'on y a souvelé atteindre 200 milliards et plus de goudes là et bien on pral prêter ça nous va faire une mission spéciale samedi prochain sur lui-même c'est dette là. Parce que dette là trop élevé. Et c'est pas un problème Haïti, c'est un problème mondial que les jours d'hier là. Donc lorsque nous ne pas contribuer assez, et lorsque DG avec la douane ne pas entrer assez comme, parce que, il dit non, il n'y a pas 10% pression fiscale. Pression fiscale là qui s'allie, sous chaque 100 gouttes que les gagné de EOA, aujourd'hui, il n'y a pas l'État 10 gouttes. Bon, il y a des difficultés pour nous bailler le tout, parce que c'est aussi une situation extrêmement difficile. Mais lorsque nous ne pas l'État comme là, nous sommes dans la première partie de l'émission, notre politique monétaire là. Là, là, le frappé pour la Banque centrale là. Et la Banque centrale là, balgoud pour le capable de financer le manque d'argent qui vient. Et lorsqu'on a tout problème, ça a eu tout, 40 milliards là pas venu tout. Donc, on a la capacité d'absorption. Il y a la blanche qui a dit qu'il y a 40 milliards de gouttes, mais il faut avoir la condition pour le dépenser 40 milliards de gouttes là. Je vous dis, on connaît un paquet de bonnes techniciens. L'organisation nationale, c'est pas en Haïti, il y a Dominicani, il y a Washington. Donc, dans ce sens, ça, voilà comment, lorsque il y a une stabilité politique, nous faisons prévision. L'argent n'est pas entré. L'ENFM est payé pendant 2 mois. Recette fiscale n'est pas venue. Eh bien, l'État doué, parce que il y a une partie de recette là, il y a une partie de dépenses là, il y a une dépense courante. Masse salariale là, bien service, subvention pétrolière. Yo. Ou est-ce que la Banque centrale dit quoi que yo arrivé by moins que l'État le premier trimestre là à cause de l'ajustement qui est fait là mais il y a un impact également qu'on y a là lorsqu'on augmente les prix sous inflation donc ouais c'est drap qui trop coûte on pas couvrir pied à tête en même temps et c'est la raison pour laquelle nous mêmes tout nous supposé intéressé participer pour nous connaître ça qui passer là et l'État a intérêt lui-même tout pour le faire nous participer l'un budget, l'un gestion pays, parce que ça va créer une confiance et on va plus envie pour participer. Mais si c'est une grosse boîte noire, très opaque, on va bailler l'argent, l'État pas de ça fait de l'argent, on va le service pas là. Regardez pour le EDH. On a plein d'employés EDH qui ont plein, on a 4-5 points et pas touché. Mais il faut admettre tout que son compagnie, l'État parle des problèmes. Non, mais EDH casse dans le meilleur qu'on y a là. Est-ce que les gens plaignent l'EDH pour le meilleur? Je vais regarder même en province, depuis le coup, coup d'État, depuis le tremblement de terre, et en 2011 et 2021 au CAI, l'EDH n'a pas existé encore. Je ne vais pas même occuper. Au CAP, je dis que je ne vais pas tout. Je vais fonctionner sans l'EDH, parce que je vais prêter le COB, il y a l'énergie solaire, la batterie, tout le bagage. Donc, je vais là,
l'État obligé de mettre 8 milliards de gouttes dans l'entreprise pour fonctionner. Donc 8 milliards de gouttes, on t'a mettre dans l'école, 8 milliards de gouttes, on t'a mettre dans la santé, 8 milliards de gouttes, ça en partie, on t'a capable. Et c'est toute cette gestion efficace là. Mais pour qui ça que les recettes ont augmenté, il est bon pour que nous connaissions pas l'État plus comme. Mais après ça, pour nous dire qui ça le fait avec l'argent. Même si l'État a un droit sur nous, pour nous prendre comme là dans la poche, nous, sans le moment de est-ce que nous voulons aussi de bavler. Parce que ça a le droit ça. Mais il y a un devoir également. Et nous-mêmes, nous avons un droit de demander le compte pour que le bien gérer comme l'État. Donc, il y a des gens qui t'ont posé des questions. Est-ce que sont recouvrés? Est-ce que taux de change pas joué là-dedans? Est-ce que l'inflation pas joué là-dedans? Certainement. Mais l'on a regardé l'analyse Banque Centrale là, il a aidé à comprendre que c'est plus compliqué. Il y a même une qui dit comme ça que ouais, est-ce que tu as encouragé l'importation d'un pays? Eh bien, non. C'est contribuable pour encourager. Donc ce qui signifie que. Affaire Internet, ça va être chargé. Ce qui signifie que l'État ou d'il fait un record, estime que c'est encourageant pour la personne. On comprend un point de vue dans ça, le dit, ah oui, côté que vraiment, le pays n'a pas supposé, c'est dans ça pour le vivre, non? Parce que l'État a plus d'importation, l'État fait plus que vraiment. Mais c'est parce que vous avez une politique commerciale pour faire des incitations, pour capable favoriser les exportations. Mais je vous dis à tout, vous n'êtes pas capable de gagner tout mouvement contre le Banza et pour l'État avancer plus que vous pas content. Dans un premier temps, il faut capable de stabiliser le malade là, ensuite, qu'on y a pour le malade là qui a retourné à fonctionner. Donc, si. Nous faisons calcul là, l'État a supposé, s'il réduit le phénomène contre le banan, s'il arrive à augmenter la pression fiscale là, au lieu d'entrer 9 milliards de gouttes par mois dans l'importation douanière, il a rentré 12, il a rentré 15. Mais le conseil de professionnels, l'État a supposé gagner pour faire calcul. D'où, ce n'est pas seulement notre politique fiscale que nous avons besoin, nous avons besoin de notre politique commerciale également. Le ministère commerce fait la tête de notre capable de défi, ou notre mission. Parce qu'il faut exporter beaucoup plus. Donc l'exemple de la Banque centrale avec sa note de politique monétaire, nous besoin de notre fiscal là, du ministère des Finances, nous besoin de notre commercial également du ministère du Commerce, nous besoin de notre agricole pour nous garder tout ça qu'on a discuté là. C'est tout secteur qui pourra bailler des informations. Après, l'invite le samedi, c'est document que m'a utilisé. Ministère, IHSI, pas de prétendre, c'est juste en fin d'année pour nous PIB. C'est là, après 4 trimestres. Chaque trimestre, vous êtes supposé gagner qui ça a passé dans le PIB. Et je vous paye à stable, vous mettez toute base de toutes les informations. Ça va permettre qu'on fait des choix. Dernièrement, choqué, l'un ancien directeur a dit qu'il a parlé encore des affaires de textile, loi Roupe. Pas dit qu'il faut craser loi Roupe, non. Mais a dit jeudi à là, et les anciens directeurs de l'institution, ça peut être fait. C'est des réflexions stratégiques pour nous faire qu'on y a là. Pour nous dire, comment est-ce que les IRA, Inflation Reduction Act, que l'Amérique a mis en place, chargé politique là-dedans. D'ailleurs, Macron déplacé, quitté la France pour aller aux États-Unis, pour aller faire qui ça? Pour aller dire Biden, Patnel, la bataille contre, capable de dire Poutine, attention, ça va faire là un bon problème parce que. Ou pour favoriser l'économie américaine par rapport à l'économie européenne. Mais là, il n'y a pas qu'un bas bouche, non, là. Il dit que même l'ancien directeur a dit ça, depuis 71, Bolfier, il a dit que c'est bien pour dire, pour le capable de connaître que l'évolution qui fait, le secteur privé a supposé à réfléchir de manière stratégique. Ce n'est pas le secteur public, là, c'est pour faire réflexion, ça. Pour aujourd'hui, l'un de monter Washington, c'est pour connaître de manière géopolitique que la Chine. Son écrivain Ukraine, la Chine a regardé comment elle a fait un bagage à Taïwan. Et si bagage a fait, pour avoir un bagage, gros problème mondial dans le microprocesseur, les chips, et bien il faut Haïti commencer à positionner pour bon jeune garçon qui a quitté dans la ria là, qui a gang, qui n'a pas créé opportunité pour lui. Après le modèle, mais est-ce qu'on a une opportunité, est-ce qu'on a réfléchi comme leader secteur privé pour que tu es capable de rester dans le sud là, au lieu de venir chita dans le village de Dieu, est-ce que tu es venu chita dans Grand Ravine pour que tu es capable de venir faire réflexion? Faut créer des écoles techniques. Qui politique d'éducation? Ben, ça, c'est pas seulement le secteur public qui est supposé faire. Nous, secteur privé, et m'a pointé du doigt, nous tout aussi responsables de l'échec. Bon, quand même, je vais faire gang, je ne sais pas passer. Mais si nous débat jeunes au choix, c'est pas ça que tu as fait qu'on y a là. Je suis en Jamaïque la semaine dernière, je regardé Matissan Jamaïque là, parce que Matissan tout, oui, bon, mais oui. La Chine tout fait 4 voies, les 4 voies tournées.
Pour faire voyager dans la ville de Jamaïque en 78, les mouvements de Jamaïque, dans le football, même c'est à souterrain à l'hôtel. Jodi à là, au cas de son à 8 heures du soir, Old Kingston, pour garder sa capacité. Échec là, c'est ça, lié tout. Fon passe à mettre les politiciens, seulement les acteurs du secteur privé, qui eux-mêmes, qui fait tout le temps ça, parce que quand on dit ça, Jacques Duval était en vision en 71 pour faire d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. On parle de 71. Petit bonhomme a 19 ans, mais ça le dégagne. Nous ne pouvons pas faire rien nous-mêmes pour être capables, non seulement de bien concrétiser, mais pour nous faire suivi à la Jodia. Nous pas fait Taïwan, non. Nous faisons ça qui mal, nous capable de dire. Ça me pas nous capable faire discrimination dans ces pays africains qui frais nous. Mais c'est ça qui nous tombe là. Nous faisons Afghanistan là. Mais c'est parce que nous avons une vision. Parce que Jodia, je ne suis pas capable de battre Washington pour faire textile simplement. Il faut me diversifier. Je ne pas dire que je quitte textile là, non. Mais Jodia, il faut me garder microchips, il faut me garder microprocesseurs, il faut me garder comment je mettre des valeurs ajoutées. Et me dit ça déjà là, dans un pays, ça nous met en bataille avec mon qui est dans la sous-traitation. Suspendre parole, Haïti, on met des bon marché. Mais des bon marché, c'est problème lié. C'est ça que je veux dire là. Il faut que mes d'œuvre côté que mon est bien touché et que mon est capable d'arriver à répondre à des défis. Pour nous sortir dans cette douanière qui est plus importante pour nous. Mais pour nous exporter, pour qu'on entrer des devises. Et dernièrement, on a une usine Apple du côté de la Chine. 200 000 personnes dans l'usine qui ont des problèmes. Bon, si vous prenez 200 000 jobs, ça va diviser par 10 départements. Mais pour faire ça, il faut une politique fiscale qui est incitative. Il faut une politique éducative qui est incitative. Parce que bon jeune garçon, ça, bon jeune femme, ça. Lorsque nous avons une opportunité, mesdames, j'ai fait petite à 16 ans, grossesse précoce. Si monsieur, vous n'avez aucune opportunité, je ne vais pas l'encourager. Mais si c'est ça, vous quittez pour donc, il faut que nous soyons capables de pointer du doigt également les responsables du secteur privé qui, par exemple, arrivent à gagner. Ça nous a capable de en vision pour développer le pays. Parce que pour qui ça, Jamaïque parle d'état ça, pour qui ça, nous sommes capables de dire et répéter nous comme ça. Parce que le secteur privé, ça a gagné un côté où vous voulez mener le pays. Voilà, chers amis, nous sommes gardés ça. Oui, 9 milliards de gouttes, c'est bien ça. C'est confirmé, discuté. Mais qu'on y a là, est-ce qu'il y a un taux de change là-dedans? Pas de doute. Est-ce qu'il y a une inflation là-dedans? Pas de doute. Mais si nous voulons changer pour séparer cette douanière qui est un gros indicateur pour le pays, mais c'est pas ça, nous avons marqué là, impôt sur revenu. Pour. Ou capable de gagner 4 millions de monde qui représentent la force active de travail pour créer travail pour taux d'emploi très élevé. Nous ne pouvons pas parler de taux de chômage encore. Ça, vous voulez aller mettre à l'aise, mais il faut créer activité. Ça, aller, il y a pour tourner, venir dépenser comme là, parce que ça va être une émotion, c'est là que vous Freddy qui a battu le Canada, moins 40 ça, je garantis pas un jeune garçon, jeune fille qui t'a remis à vivre dans zone ça. Mais si pas quitter un bouillon, vous préférez le Freddy à voter à pied. Yo dit que et le secteur public et le secteur privé et ben pas ba yo avenir nous pas ba yo choix pour avancer et dans ça nous tomber là. N'a proposé d'attendre dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.